Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande compétition de vin de France. Aujourd'hui, tout se jouera entre Vincent Didry et Paul Didry, donc de la même famille, qui devront deviner la provenance de ces quatre vins. Ce vin est un Bourgogne, celui-ci est un Cabernet Sauvignon, nous avons aussi un Beaujolais et le quatrième en est un château, c'est-à-dire un véritable Bordeaux. Très bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez passer une très bonne soirée en notre compagnie et nous vous souhaitons une excellente dégustation. Voici le vin de Bourgogne et voilà donc le Cabernet Sauvignon. Nous avons aussi un Beaujolais, enfin le Bordeaux supérieur. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, je vous rappelle les règles de la compétition entre Monsieur Paul Didry et Monsieur Vincent Didry. Nous avons donc aujourd'hui 4 vins. Un vin de Pays d'Oc, un Beaujolais, un Bourgogne et un Bordeaux. Et voici donc les règles. Ces 4 vins ont tous un numéro. Monsieur Didry Vincent et Monsieur Didry Paul devront donc deviner quel vin appartient à quel numéro. Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée et à tout à l'heure. This is the first one we're doing now. The premiere, it's Beaujolais. Bourgogne. Donc, première dégustation, messieurs, goûtez votre vin et dites-nous que vous en pensez. Quel est donc ce vin? À votre santé. À la vôtre. À la vôtre. Ah bah attends, d'abord on regarde. Oui, c'est sûr. On prend son temps, on le goûte. On n'est pas trop adjectif. Lequel? Il a un goût de fruits rouges déjà. Excellent. Un goût de fruits rouges, d'accord. Excellent. N'écoute pas Vincent. Monsieur Didry, vous avez écouté des commentaires avant. Il est bon. Quelqu'un est excellent. Il y a une belle robe. Disons chatoyant. Excellent. Chatoyant. Bien, alors est-ce que vous pouvez maintenant peut-être prendre vos décisions? Est-ce que c'est un vote secret ou... Ah bah oui, c'est vrai. Oui, le papy va dire la même chose. C'est une compétition. C'est une compétition. Tu l'écris, hein. Ah bah oui, mais chacun note dans son coin. Alors Tony Arnold dit que vous devez le dire. On va le dire, mais après. Alors je pense... Non bah vas-y. Bordeaux. Moi, je dis Beaujolais. Bordeaux. Voilà, messieurs, dégustation numéro 2. Vous avez maintenant 30 secondes pour décider de la provenance de ce vin. Allez-y, goûtez. À votre bonne santé. In vino veritas. Cinq secondes. Oh non. Églou, 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 églou. Églou, églou, églou. Ah ben. Ah, moi je dis un Bourgogne. Moi je dis un vin de Pays d'Oc. Un Bourgogne pour Monsieur Didry, un vin de Pays d'Oc. Pour Monsieur Didry. Pour Monsieur Didry Vincent. Bourgogne, vin de Pays d'Oc. This is number 3. Voici le vin numéro 3. Vous avez, messieurs, à partir de maintenant, 30 secondes pour goûter et prendre votre décision. Allez-y. À votre bonne santé. Campari. Je pense...
au Beaujolais. Alors, monsieur Didry Paul dit Beaujolais. Beaujolais. Moi, je dis... Je ne peux pas dire le même. C'est un autre... Bourgogne. Et monsieur Didry Vincent décide pour le Bourgogne. Bourgogne. Très bien, messieurs, les jeux sont faits. Je peux finir le verre ? Finissez sous les coups. À votre santé. Finissez les autres. Il a bu son verre comme les autres. C'est un ivrogne. Ça se voit rien qu'à sa trogne. Arrivons donc à la fin de cette compétition, messieurs, voici le vin numéro 4. Comme les autres, vous avez à peu près 30 secondes pour prendre votre décision. Allez-y, bon thumbs up. Et à votre bonne santé. Chin, hein. Chin. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Les cervelles se concentrent. Monsieur Didry, qu'en pensez-vous ? Languedoc. Languedoc. Vin du Pays d'Oc. Et monsieur Vincent Didry ? Bordeaux. Je maintiens. C'est logique. Bien, alors voici les résultats de la compétition. Vin numéro 1. Monsieur Vincent Didry, oui. Vous nous avez dit... Le Beaujolais, oui. N'est-ce pas, oui. Monsieur Paul Didry, vous Bordeaux. Nous avez dit Bordeaux. Le Bordeaux. Oui. Eh bien, la réponse, hélas, personne n'a gagné. Oh. La bonne réponse, c'était le Bourgogne. Oh. Messieurs, je suis désolée pour vous. Pas de chance. Voilà la preuve. Ça, c'est la récompense. Oh, dommage, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien, on continue gaiement. Bon. Allez. Hop, on passe au numéro 2, monsieur Paul Didry, vous nous avez dit, numéro 2, vin du Pays d'Oc. Non, non. Non, pardon, excusez-moi, Bourgogne. Vous nous avez dit le Bourgogne. Monsieur Vincent Didry, vous nous avez dit le vin du Pays d'Oc. Bien, alors, est-ce Paul, est-ce Vincent le gagnant pour le numéro 2? Eh bien, le numéro 2, oui, c'est Vincent Didry. Oh. C'est le vin. Excellent. Bravo, monsieur. Merci, merci. Numéro 3, maintenant numéro 3. Monsieur Vincent Didry nous a dit un Bourgogne. Oui. D'accord. Et monsieur Paul Didry nous a dit un Beaujolais. Beaujolais. Très bien. La bonne réponse, eh bien, c'est le Beaujolais. On a bravo. Monsieur Paul Didry. Bravo. Bien, vous êtes à égalité. Merci, merci, grand merci. Pour l'instant, tout va bien. Le suspense est intenable. Ouvrez les fenêtres, il fait chaud dans la pièce. Mmh, nous passons donc au numéro 3. 4. 1, 2, 3. 4. Monsieur Vincent Didry. Elle a pas vu. Elle a pas vu. Excusez-moi. J'en ai besoin. Numéro 4, monsieur... Vincent Didry nous a dit un Bordeaux, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Monsieur Paul Didry nous a dit un Languedoc pour le numéro 4. Eh bien, la bonne réponse, qui va avoir raison ? La bonne réponse, c'est le Bordeaux ! Ouais ! Bravo ! Ça représente... Ah, deux bouteilles pour monsieur. Voilà. Et voilà. Et partage avec moi. Amenez les c'est autres. Partage. Voici le gagnant de ce jeu, monsieur Vincent Didry. On applaudit. Bravo. C'est un grand buveur de vin. Je suis ému. Vous êtes plus ému. Vive ému. Voilà, je suis plus quasi. Vous êtes Et alors, à votre santé. En fait, à votre bonne santé. En fait, moi, je crois que le Beaujolais,
Nous, on était trompés par la couleur parce que c'est. Oui, on trompés par la couleur. C'est ouais, mais pas c'est normal, le Beaujolais, il est plus. Il est plus foncé le Beaujolais. Mais c'est du nouveau. C'est un Beaujolais nouveau. Ouais, c'est ça. C'est une cuvée rosette, il marquait, ouais. Ah, cuvée rosette. C'est une cuvée rosette. I was worried your father wasn't going to get any right. I was worried he wasn't going to get any right. Non, j'ai dit du Bourgogne.